Voilà, bon, bah, le live va commencer. Bah, écoutez, salut à tous, c'est Batosai. Et donc, on se retrouve là pour un live sur Guilty Gear X Third Sign, donc la démo sur PS4, donc, qui est dispo depuis aujourd'hui sur le PS Plus. Bah, là, je suis au tout début, hein, je vais vous montrer. Donc, on a deux menus ici, on a un mode didacticiel, donc que je vous montrerai pas spécialement, hein, c'est super long. Moi, j'ai pas tout fait en plus, il y a 50 missions au total. Et ça va vous permettre en fait de mieux cerner le gameplay, etc. Et on a le mode arcade qui est juste là. Donc c'est ce à quoi on va s'intéresser nous pour ce live là. Donc je ferai normalement deux fois le mode arcade. Donc une fois avec Sol Bad Guy, une fois avec Kai Piske. Donc les deux seuls personnages hein, qui sont disponibles pour cette démo, à savoir qu'on peut pas non plus jouer à deux. Et qu'on peut pas changer le niveau de difficulté. Donc je vais commencer par Sol, j'ai joué déjà tout à l'heure avec lui pour le petit essai de live que j'avais fait. Là, j'ai pu revoir quelques coups, etc. De toute façon, je vous les montrerai pendant le live. Alors, ce qui est bien, bah, comme d'habitude, on a différents types de couleurs. Là, on en a au total 6, sachant que la 6e ressemble quand même pas mal à la première. Enfin, il y a juste un contraste, là, noir et blanc, au niveau de ses vêtements, de son pantalon et de ça. Mais sinon, la veste, elle reste la même couleur, alors que là, elle change vraiment. Donc, nous, on va garder la couleur de base. On a aussi, là, les boutons, on peut réassigner les touches, hein, si vous voulez. Moi, je vais les laisser de base. Et on va lancer ça. Donc je vais vous laisser hein, toutes les scènes, tout le blabla, toutes les cinématiques, etc. Comme ça vous aurez vraiment tout le mode arcade et de préférence je vais me taire là pendant ces scènes là. Comme ça vous en profiterez vraiment au max. あの少女が人間ではない。いや、本物のバレンタインである可能性は高い。人類に対する宣戦布告が本気なら世界の危機だ。ちっ、勝ったりな。ない。いくらだすの？いくら。俺は賞金稼ぎだ。ロハじゃハエだって殺さねえ。 話したいこともある。シンを連れて合流してくれ。懸賞金はいいねでいい。100万ワールドドル。え?キャッシュで。さすがおやじだぜ。エグスで。任せろ。そう。ファースト。ファースト。 Ah, donc là vous voyez au niveau des intros avant le combat, vous voyez, ça fait grave anime, c'est ce que je disais un peu avant dans le premier live que j'ai fait là du jeu, les 16, ça fait vraiment beaucoup penser à un anime. On croirait vraiment voir un anime alors qu'en fait non, c'est vraiment le moteur du jeu, donc c'est super bien fait. Donc le gameplay, ça garde les bases des précédents Guilty Gear, hein. Enfin comme tous les jeux Arxis en général, à System Works, on a donc les sauts en arrière, le dash. On peut faire des sauts et dasher en l'air en fait, on peut cancel un saut comme ça, alors on saute et on fait deux fois avant ou deux fois arrière, mais on peut aussi, si on fait un saut en diagonale et on fait directement une fois avant, ça fait le cancel direct, on peut taper, etc. Ensuite on a donc avec carré le petit coup de poing, croix les coups de pied, et triangle et rond c'est slash et high slash, donc c'est les grosses attaques. Après on a tout un tas de coups, des attaques spéciales, etc. Donc là, je viens d'en faire une, un shoryuken, etc. Il fait mal, putain, Faust. Ça, si. Bon. On va lui placer le destroy. Enfin, c'est ce que je vais... Ah merde, là je peux pas me transformer. Bon bah, ça lui poste. Voilà, je vais le destroy là. Là je vais le réussir hein, après le surrouiller en mode dragon. Mon premier live, je faisais que des fails, j'ai pas réussi à le placer une seule fois. Là je le ferai, hein, vous inquiétez pas. Donc là, pour ceux qui savent pas comment on place les destroy, là où vous avez jamais joué à un multi-gear rang ou autre, en fait il suffit d'avoir de la barre de tension en bas.
donc la jauge de furie. Vous appuyez sur les 4 touches, 3 carrés, triangle et rond en même temps. Votre personnage, il va avoir une espèce d'aura autour de lui. Et ensuite, vous faites 2 quarts de cercle avant et rond. Mais là, c'est valable avec lui comme ça, mais il y a d'autres persos, ça sera d'autres manips à faire. Donc là, je vais essayer de le faire en mode dragon. Voilà, j'appuie avant toute ma jauge. Voilà, là, elle est pleine. Donc, il faut d'abord se transformer. Donc, 2 quarts de cercle arrière rond. Ensuite, voilà, là, je fais les 4 touches. Vous voyez que là, maintenant, ma jauge se vide toute seule. Ah, merde. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Et pendant qu'en fait votre jauge se vide seule, c'est le temps que vous avez pour placer votre destroy. Si jamais vous le faites pas, vous le ratez ou autre, bah vous avez plus du tout de barre pendant tout ce round. Et donc là, à la fin des combats, vous avez vu qu'à gauche, il y a des espèces de médailles qui sont apparues. En fait, c'est des... Enfin, c'est vraiment des hauts faits, enfin... C'est ce que vous avez fait pendant le combat, des bonus. Des fois, il y a écrit time bonus, destroy, etc. Ça sert au score, en fait. Vous voyez là, le badge list, voilà, apparemment, j'ai eu 3 badges. Et donc en bas j'ai 122 000 points tour. Donc là c'est sûrement un score de merde hein, puisque vous avez vu que j'ai pas fait de gros combos ou autre. Hein. Je pense qu'on peut vraiment scorer à mort et faire des millions de points en quelques combats. Là je vais ce combat là je vais enfin je vais vous dire je vais le jouer plus ou moins à moitié. C'est juste, j'ai essayé de vous montrer vraiment là pour le début de ce combat-là, tous les coups spéciaux de sol. Donc en allant, il y a juste à faire une fois star et on peut voir c'est cool, c'est pas compliqué. Donc on appuie sur option et là, dans le premier menu, on a tous ces coups spéciaux. Donc on va les faire deux par deux à chaque fois, ça va être plus simple. Donc c'est les deux premiers qu'il y a là. Alors, c'est cette boule-là. Je la refais une deuxième fois. Vous voyez que l'effet, c'est super beau. Et quand on le fait en arrière, en fait, le deuxième coup, c'est une feinte. Il n'envoie pas la boule, tout simplement. Ensuite, on va faire celui-là. En fait, ça, c'est un seul, enfin, c'est deux coups, mais c'est celui-là, il peut s'enchaîner avec celui-là. En fait, c'est le shoryuken, je vais vous montrer. Et là, voilà, j'enchaîne avec le deuxième coup. Je vous remonte, là, c'est le shoryuken tout seul. Et là, je vais faire le shoryuken en enchaînant. Donc là, sachant que je l'ai fait que avec avec S, je ne l'ai pas fait avec HS. HS c'est rond, ça en fait un plus gros, voilà, tout simplement. Ensuite, on a ce coup-là et celui-là. Alors j'ai galéré au début, je comprenais pas, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi il y a deux fois le même, etc. En fait, c'est celui-là, tout simplement, hein, et on peut le faire en combo si on est vraiment très près. Vous voyez, il touche deux fois, et si quand on le fait, on maintient croix, il fait ça à la place. Il fait vraiment un autre coup, ça n'a rien à voir. Voilà, ensuite on peut le faire dans les airs, mais par contre je pense pas qu'on puisse le faire en l'air sous le maintien. Voilà, vous voyez que celui-là il n'est pas possible en aérien. Vous voyez que là je maintiens, il le fait pas. Donc ensuite il y a ce coup là, alors ça c'est le quart arrière 3, c'est ça. Donc il part en arrière en fait, là vous avez pas bien pu le voir, mais je vais le refaire là en début de round. En fait Sol il va contre le coin qui est à son dos. Il rebondit dessus, il fonce en donnant un coup de pied. C'est un coup qu'il avait déjà hein, dans les autres multigears, voilà celui-là. Et on peut l'enchaîner. Si on refait encore quart arrière 3, voilà, il fait ça. Donc ensuite, il y a le Shoryu, enfin avant, quart avant, 3, c'est le chop. Alors, on va essayer de la passer. Et ce qui est bien, elle fait rebondir. Et en fait, vous pouvez enchaîner derrière, vous voyez. Bon là j'ai fait un truc pourri hein, 6 hits, mais vous pouvez vraiment faire super mal derrière, on peut mettre une super, attendez, je vais essayer de lui mettre la super. Voilà, bon, ça peut faire pas mal de dégâts, mais là je vous ai dit ça c'est le minimum syndical, ça c'est vraiment des trucs de merde hein, que je fais, c'est des trucs on va dire, les bases, le début, etc. Ensuite, ça ce quart arrière croix, je l'ai montré déjà, après il y a quart arrière S et demi-cercle HS, donc on va... je me suis trompé. Hop. Donc ça c'est carré S. Donc Sol il fonce au sol et il monte avec un chariot. Et il y a le demi-cercle HS, donc ça avec nous, c'est ce coup là. En fait il fonce, il donne une grosse droite. Il ne veut pas me laisser là. Hop, voilà, ce coup là. Et ce qui est pas mal, ça le fait
ça l'envoie au sol, il glisse hop, plus loin. En fait, je pense qu'on peut enchaîner derrière ça si on est proche du mur. Après, il y a... qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ça, c'est que uniquement quand on est en dragon, ce coup-là. Vous voyez, PBB, il y a la tête de... Il y a la tête de sol en mode dragon, là, juste à côté. Il y a un Shoryu avec croix. On va essayer, hein, tout simplement. Ah bah ça doit être la shop qui est différente peut-être, je sais pas. Non, même pas. C'est peut-être dans l'autre sens, je vais réessayer là au second round, là juste après. Ah donc là vous voyez qu'au niveau des badges, la badge list, j'ai récupéré encore d'autres trucs. Mais bon là, vu que je comprends pas du tout le japonais, hein, je sais pas du tout il correspond à quoi exactement, à part le time bonus, qui lui apparaît en fait quand on a la médaille, je vois écrit le time bonus, les autres je sais qu'il y a peut-être un bonus qu'on fait un destroy, des perfects, etc. Alors regardez là l'animation, bon il y a déjà celle de Sol, vous la connaissez, celle de Uno, elle est énorme. Voilà. Ils sont trop forts, franchement Arc System Works c'est des tueurs. Il n'y a vraiment rien à dire sur la réalisation, elle est au top hein, du jeu. Bah du coup je vais devoir augmenter ma barre là, bah, je vais la taper. Hein. Voilà, là je vais me mettre en mode dragon et on va réessayer le. Ouais non, il y a que la shop, hein. En fait c'est la shop je pense, ou alors si vous le savez n'hésitez pas, hein. Je pense que je me suis peut-être trompé par rapport à ce coup là, ils disent que, ah non c'est peut-être après ce coup que je peux enchaîner ça, d'accord, en mode dragon, bah là c'est con, je sors de 12 mains, on va maintenant passer au, bah les furies, il y a les deux que je vous ai déjà montré, hein. Là, et puis le destroy aussi vous l'avez vu, donc c'est tout ce qu'il y a, bah écoutez on va se faire, on va finir le mode arcade tranquillement, hein. Là j'ai... enchaîner les combats etc et après on fera pareil avec Kai. Alors sachant que je vais vous montrer d'autres trucs, c'est pas fini, il y a les shops, alors je vous ai montré la shop spéciale à sol mais il y a aussi des shops classiques au corps à corps, quand on se colle à notre adversaire on fait avant et triangle. Ah non, pourquoi est-ce qu'il fait, ah voilà c'est rond, autant pour moi je me suis trompé. Donc avant rond pardon, ou arrière rond, hein, il me semble qu'avec arrière aussi ça fonctionne. Ah, on le jette de l'autre côté. Il y a ces attaques là, merde. Voilà. Pour les jeter en l'air. Je sais pas du tout c'est quoi le nom, hein. Je suis désolé hein, pour les puristes là, vous allez dire putain qu'est-ce qu'il raconte comme merde, je sais pas quoi. Je suis désolé. Donc là, on l'envoie en l'air, ça y était déjà dans les Guilty Gear, fallait faire il me semble carré, enfin croix et triangle en même temps, ou carré rond, je sais que c'était deux touches. Il y a aussi les gardes parfaites, vous voyez que ça utilise la jauge de tension, mais quand vous êtes comme ça, quelles que soient les attaques qu'on vous fait, vous prenez aucun dégât, si vous gardez bien évidemment le coup. Il y a un système de contre, non ça c'est les provoques. Bah, pour le contre, il faut de la barre de tension, donc je vais essayer de le faire, enfin je vais vous montrer ça c'est sûr, un peu après là, quand j'aurai plus de jauge. Mais après, est-ce que je vais réussir à placer un contre, je sais pas, parce que l'ordi il est super chiant, il attaque pas. Il n'y a que le boss de fin en fait qui vous agresse réellement. Les contres en fait c'est avec L1. Non même pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va la tuer, hein, écoutez. Il y a un bouton normalement, je sais plus trop c'est lequel. Quand on l'appuie et qu'on a de la jauge de tension, notre perso il fait une sorte de contre. Ça vous utilise un quart de jauge. Et en fait, je pense que si on vous tape à ce moment-là, vous faites un contre, etc. J'ai pas pu le faire jusqu'à présent, parce que même hors caméra, hein, quand je joue au jeu tout à l'heure tout seul, je vous ai dit, l'ordi, il n'y a pas moyen de minder en fait ce que va faire l'ordi. C'est impossible de savoir quand il va vous taper avec ce niveau de difficulté-là. C'est trop bas et du coup, l'ordi tape pas assez, quoi. À part peut-être le boss de fin, mais là encore, le boss de fin, il fait beaucoup trop de boules, enfin d'attaques spéciales, etc. Et là, je sais pas du tout si on peut les contrer. Donc ça va être un peu chiant à vous montrer, je pense pas que j'y arriverai. Mais bon. Sorbat-gai ni wa keshite kedorarete mo narau.
Là, vous voyez encore ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment ça ressemble à un anime, hein. C'est à s'y méprendre, hein, pour vous. Alors, ce qu'il y a aussi par rapport au gameplay, des subtilités, des Guilty Gear, observez bien ma jauge de tension quand je vais courir vers mon adversaire, vous voyez qu'elle augmente directement. Donc, c'est vraiment sympa, ça, en fait, ça favorise, plutôt que dans un autre jeu, on favoriserait le zoning ou autre. Là, c'est vraiment l'agressivité qui paye, hein, clairement. Et si vous jouez trop au zoning, je vais vous montrer là, je vais faire mon campeur à l'autre bout de l'écran, comme si je voulais attendre que l'adversaire. Vous voyez qu'il y a danger au-dessus de ma jauge de tension qui apparaît. Et là, voilà, j'ai une pénalité, ça m'a retiré toute ma jauge de tension. Donc ça, c'est vraiment super, il n'y a pas quelqu'un qui va essayer de vous la jouer Street Fighter, hein, à ce jeu-là, ça sera pas possible. Après, vous pouvez, si vous avez par exemple un perso à boule, je sais pas si je fais ça normalement, je peux plus ou moins jouer la distance, le zoning, sans prendre de pénalité parce que je fais des boules, etc. Mais si vraiment vous voulez jouer la camp à reculer, vous protéger, etc., en attendant et en fait des erreurs de l'adversaire pour contrer, bah, vous allez perdre toute votre jauge à chaque fois. Donc c'est bien, c'est super punitif. Puis, au moins là, votre adversaire, il aura tout le temps toute sa jauge. Donc de ce point de vue là, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment top. Bon. Hop, un petit destroy. J'aime beaucoup moi celui-là de sol quand il est comme ça. Il est top. Ouais, vous voyez, life bonus, et il y a eu time bonus aussi par rapport aux médailles en bas à gauche. Donc si vous avez beaucoup de vie aussi, vous avez un énorme bonus en fait par rapport aux médailles. Donc c'est plutôt sympa ça. Je pense qu'il y aura aussi un score attaque, hein, comme dans les autres. Vous pourrez vous amuser à comparer vos scores avec vos amis, etc. Donc ça là-dessus, je pense pour le live, il n'y a pas à s'en faire, hein. On va vraiment être servi. Une demande d'ami. Bah écoute Pulco, si t'es là, tu suis le live Pulco 12, je vais t'ajouter juste après là, je vais pas le faire en plein live, mais je t'ajouterai après, y'a pas de soucis. Heaven or hell. Duel. One. Let's rock. Il y a juste un truc qu'il faut que je vérifie, j'ai pas fait gaffe, parce qu'on peut faire des coups ex, enfin des coups qui consommeront la jauge. Je pense pas, j'ai pas fait gaffe. Ça serait vraiment dommage qu'il n'y en ait pas. Enfin, je pense pas qu'il y en avait dans les autres multigires, mais bon, enfin j'ai des doutes, je sais plus du tout. Mais je sais que dans. Ah, vous voyez que ça c'est. Non. Le contre il est où? Il n'y en avait pas dans les autres multigames, il me semble, mais bon, c'était vraiment sympa dans les Blazing, ce truc-là, ça a ajouté un truc par rapport au gameplay, c'était vraiment top. J'ai cru que j'avais fait un contre pendant un moment, mais je pense pas que ce soit ça, en fait, c'est avec L1, on fait un truc, je sais pas du tout si c'est ça le contre ou pas. Mais bon, L2, c'est le burst, je sais pas si je vous l'ai dit avant, mais il y a toujours les bursts, au cas où vous faites enchaîner, vous avez le droit à un burst, donc c'est juste au-dessus, juste en dessous, pardon, de la tête de notre personnage, là, en haut, là où il y a la barre de vie, et... Et comment vous dire, si vous le faites, vous êtes ultra vulnérable après. Donc c'est vraiment un truc à... C'est vraiment un truc à faire vraiment pour vous sauver la vie. Hein. Faites pas ça dès le début du combat si votre adversaire commence à vous enchaîner. Parce que vous allez subir après, sinon il va vous taper quelques fois, il va vous vider toute votre jauge de vie. Donc c'est chaud ça, je sais que c'est avec L2. L1, je vous ai dit, il y a un truc, ça lance une animation bizarre. C'est peut-être je crois que c'est le cancel. Je vais essayer en plein combo, en fait,
Je vais d'abord remplir en fait ma jauge de tension, je vais essayer de vous montrer ça. Je pense que c'est les concepts. Tiens, il y a Potemkin, bah, spécial dédicace à toi, ODV78. Je sais que t'aimes beaucoup ce perso. En plus, il a une arrivée énorme. Hein. Franchement, l'avion qui le lâche comme ça, là, il... c'est abusé. Y a rien à dire, il est vraiment classe comme ça. Voilà, je vais essayer de remplir là d'abord ma jauge. Et je vais vous montrer les cancels. Je vais essayer au moins d'en avoir deux. Voilà, et là en fait, avec ça, je vais vous montrer L1. Vous voyez qui fait ça, je pense que c'est des cancels. Donc on va essayer de le faire en plein combo. Ouais, c'est ça en fait. Bon, là j'ai pas réussi, mais. Je vais essayer au deuxième round. En fait, là, je vais garder ma jauge. Il fait mal un Potemkin quand il tape. Vous sentez vraiment que c'est vraiment un bourrin. On sent ses droites et des fois, elle vous envoie à l'autre bout de l'écran. Vous rebondissez contre l'écran, etc. C'est vraiment énorme avec lui. Hein. Donc là, voilà, j'ai un peu plus de la moitié. Ah, bah non, c'est revenu à zéro. Merde. Bon, bah écoutez, je vais réessayer de l'augmenter là, ma barre. Et... Voilà, là je vais essayer le cancel. Alors, c'est parti. Ouais, vous voyez que c'est ça en fait, c'est les cancels. Donc ça va être énorme. Franchement, on va pouvoir faire des trucs de fou avec ça. Et il n'y a pas besoin d'un gros niveau pour faire des combos comme ça. Bon, là moi j'y arrive pas. Hein. J'ai découvert le jeu là aujourd'hui. En même temps, j'ai pas un super niveau, etc. Mais je pense qu'avec l'entraînement, on peut vraiment faire des super trucs sans pour autant avoir un gros niveau. Là où je sais pas, par exemple, c'est ça un peu la différence avec les jeux classiques comme Street Fighter ou les jeux à combo comme les Guilty Gear, c'est que dans un street, pour faire vraiment de gros combos, faut un certain timing, c'est super chaud. Alors que dans un Guilty Gear ou dans un Blaze Blue, même enfin en général, dans les jeux Arc System Works, on peut enchaîner très facilement sans pour autant avoir un gros niveau. Après, c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes combos que des joueurs pro, etc. Mais du coup, quand on est fort, après on sent vraiment il y a une énorme différence. Après, je dis pas que c'est pas le cas dans les streets, hein, attention. Ah, dans street aussi, on peut faire il y a beaucoup de possibilités, mais là, du moins, quand on est faible, on n'a pas spécialement un gros niveau, ce qui est par exemple mon cas, hein, je suis pas spécialement bon. Bah, je sais qu'avec l'entraînement, je peux m'en sortir, créer des combos, etc. Alors que dans un street, faut vraiment un timing de malade, faut beaucoup, beaucoup d'entraînement, et ce qu'on n'a pas tout le temps de faire en fait. Donc là j'approche du combat de fin, ouais, là c'est l'avant-dernier combat. Donc là je vais me battre contre Kai et ensuite il y aura le boss de fin. Alors je vois qu'il y a deux commentaires qui sont apparus sur le Twitch, je peux pas aller les voir tout de suite. Parce que je suis pas le live en fait en même temps que je joue, j'ai peur que ça pompe en fait la connexion par rapport à... Parce que j'ai pas la fibre optique chez moi. Et ça risque de... Je sais pas si ça va faire sauter le live ou pas si je vais dessus, donc je dirai. Quoique si je vais aller, je vais quand même y aller vite fait voir. Okay, bah c'est con sur Twitch, je ne vois pas les commentaires. C'est bizarre. Je vais en mettre un, moi, pour faire un test. Je vais mettre la lettre A. Ouais. Oh, en tout cas, je laisse la page ouverte pendant que je joue en même temps, là, pendant la cinématique. Je vais surveiller. Puis, si jamais je vois le truc, je vous répondrai à ceux qui ont posté des commentaires. Ah, d'accord, il y a Barbie Chétif qui me dit coucou. Ah, bah, salut, Barbie. Ok Barbie, y'a pas de soucis, je viens de voir ton message. Voilà, là vous voyez qu'en faisant ma super attaque, je suis passé au travers de sa boule. Donc ça c'est vraiment sympa aussi, il y a un délire, il y a on va dire des paramètres de propriété par rapport au coup. Donc c'est vraiment sympa ça, ça va vraiment jouer en fait dans les match-ups, ça vous saurez quand sortir votre super ou pas. Hein.
salut, tu l'as eu, s'il te plaît. Alors, cette petite flèche 80 qui me demande ça, c'est la démo en fait du PSN japonais. En fait, faut être membre PS Plus sur le store japonais. Et elle est disponible, la démo, depuis aujourd'hui. Alors, sache que je suis pas du tout membre PS Plus. Moi, t'as juste à créer un compte, en fait, un compte japonais sur le PlayStation Store, tout simplement. Et en fait, t'as 14 jours d'essai gratuit. Donc, j'ai rien payé, j'ai pas pris d'abonnement, j'ai vraiment rien eu à casquer. J'ai eu 14 jours d'essai PS Plus et bah, du coup, j'en ai profité pour faire là et avoir cette démo parce que je l'attendais vraiment depuis un certain temps. Allez hop, salut Kai. Et puis c'est pas compliqué hein, à faire un compte, tu tapes ça vite fait sur Google, tuto créer un compte PSN Jap. Tu verras que ça met quelques minutes, faut juste que tu aies une adresse mail valide pour faire un nouveau compte, parce que si tu as déjà ta propre adresse mail pour ton compte français, tu pourras pas la réutiliser pour faire un compte japonais. Mais tu crées vite fait un hotmail, enfin tout ce que tu veux. Tu crées un compte japonais, tu vas sur la rubrique PS Plus, il y aura un truc écrit en japonais avec le nombre 14, donc c'est facilement reconnaissable. Moi je lis pas le japonais, hein. Personnellement j'ai reconnu grâce à ça en allant dans le menu PS Plus. Et du coup tu cliques dessus et après tu deviens membre PS Plus pendant 14 jours gratuitement et sans engagement. Tu n'auras rien à payer derrière ou quoi, hein. Ça ne va pas te créditer, ça ne va pas te prendre de l'argent sur ta carte. Et c'est valable 14 jours. Puis quand ça finit, tu es libre à toi, si tu veux tu te recrées un autre compte et ça tu peux le faire indéfiniment en fait. Et ça marche sur le store européen, américain, sur n'importe lequel. Donc tu peux gratter comme ça du PS Plus 14 jours autant de fois que tu veux. Tu as juste à te créer un nouveau hotmail, enfin une nouvelle adresse mail à chaque fois et un nouveau compte parce que c'est valable que si ton compte il a jamais été PS Plus avant. Et bah, du coup tu peux l'avoir comme ça à l'œil tout le temps. Voilà. Bah, je vois tes commentaires là, cool, merci beaucoup. Ah bah de rien. Bah, merci à toi de suivre le live en tout cas. Donc là, on est au combat de fin. Donc elle est super classe, hein. Le boss je trouve qu'il y a quelque chose, ils ont assuré. Hein. Après j'espère qu'elle sera jouable parce que j'ai bien envie de jouer avec ce perso là, j'ai vu les quelques coups qu'elle a, j'ai pas vu son destroy ou quoi, elle me l'a pas fait tout à l'heure mais j'ai bien galéré à la battre et à ce Fury là qui fait super mal. Voilà, je passe de l'autre côté parce que sinon elle fait ce truc et ça vous arrache un paquet de vie. Et par contre elle est lente hein, donc la furie hein. Par contre celle-là non, ah ouais putain. Voilà, vous voyez qu'elle m'a enlevé facile 30% de vie en une furie super rapidement. Voilà, là j'ai largement le temps de sauter, c'est ça qui est bien. Ah merde, putain j'étais dans son dos. J'étais en train de taper dans son dos, je pensais qu'elle m'aurait pas là. Ah, merde. Ah, j'ai pas pensé, vous voyez que là elle m'a eu en grattant à mort sur là-bas. Si j'aurais pensé à faire la garde spéciale qui m'utilise la jauge de tension, vous voyez qu'en plus de ça j'ai toute ma jauge, bah elle m'aurait pas eu. Enfin du moins, elle m'aurait pas tué maintenant. Je dis pas qu'elle m'aurait pas tué, mais elle m'aurait pas eu tout de suite. Maintenant ça combat en self shading ou barbie. Ah ouais je sais pas. Je dis de prévu là, il y a déjà des vidéos, mais ça sera pas en self shading celui-là. En tout cas, c'est sûr que quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire là. Ça pourrait être énorme qu'il y ait d'autres puissances, même Mortal Kombat. Hein. Perso, j'aime bien les Mortal Kombat, la 3D des Mortal Kombat. Mais qui n'a jamais rêvé d'un MK en 2D putain, on a enlevé putain avec sa furie. Voilà, là je fais la garde spéciale, vous voyez qu'elle a pas pu. Enfin, je descends un peu tard, elle a quand même pu gratter sur ma barre, mais. Ah oh, bah, je suis mort. Putain, elle est là, putain. Bon bah on va prendre notre revanche, hein. Deuxième essai. Je l'ai battu tout à l'heure, enfin pas du premier coup non plus, hein. Elle m'avait quand même éclaté. On va recommencer, hein. On appuie sur option là, enfin start pour le valider. Et donc vous voyez que là on garde notre personnage quand on est en mode arcade, quand on perd on n'a pas le choix, on peut pas recommencer avec un autre perso. Bon là je vais passer la scène, hein. On l'a déjà vu juste avant. Thank you.
coup-là, c'est bizarre, j'arrive pas à l'enchaîner. Par contre, on peut enchaîner derrière. Et hop. Alors là, je vais pas mis le premier coup de la super, je crois qu'il l'a pas touché. Voilà, bon, je l'ai achevé au sol, un peu comme un lâche, mais bon, c'est pas très grave. Et puis, là, sur PSNFR. Non, je l'ai eu, c'est sur le PSN japonais, hein. Il y a Batmaz qui me demande ça. C'est sur le PSN japonais, hein, je l'ai eu. J'ai pas vu tout ce que c'est là, le chrono qui s'est activé, qu'on a tapé en même temps en fait. J'ai pas vu tout ce qui s'est passé. Il y a Rodriguez qui me demande wow, when game released. On December. Donc pour ceux qui comprennent pas l'anglais, en fait, ils me demandent quand est-ce que le jeu sort. Normalement, c'est au mois de décembre. Et il sort aux États-Unis et au Japon. Et ça devrait arriver normalement, enfin pour l'Europe, il y a quelqu'un qui avait un membre sur GameCube, il y a ODV78 qui avait posé une question à je sais plus qui, je crois que c'était à une des boîtes qui gérait un peu le truc, la com derrière le jeu, et ils lui ont répondu qu'ils essayaient, enfin ils étaient en train de travailler sur le fait de le sortir en Europe. Donc je sais pas si par là ils pensaient à parler d'une traduction ou s'ils étaient en train de chercher un éditeur, etc. Mais en euros. Ah, combien est-ce qu'il va coûter en euros? Ah, je sais pas du tout, hein. Je pense que pour le moment ils ont dit qu'ils vont essayer de le sortir en Europe. Batmaz, excuse-moi si j'écorche ton nom. Ils essayent de le sortir en Europe, du moins c'est ce qu'ils ont dit. Après, pour l'instant, il n'y a pas de prix. Je pense que ça sera le prix d'un jeu normal, hein, à mon avis. Après, en import, peut-être, ouais, il y a Funzy Clown qui dit 60. Non, oui, je pense que ça sera ça, hein, le prix. Après, si tu le prends en import, tu l'auras peut-être plus ou moins cher. Après, ça dépend avec les frais de port, etc. Rodriguez qui me demande, you have a disc? No, Rodriguez, I don't have a disc. It's a demo on the Japanese PSN. The demo is available if you have an account PS Plus Japanese. Donc là, il y a la petite scène de fin. Alors tout à l'heure, sur le premier live que j'ai fait, là où je faisais un essai, j'avais coupé pendant le crédit. Il y a juste une petite scène en plus après. Par contre, je vais tout laisser, vu que là, on va recommencer après, mais avec Kai. Par contre, je vous préviens, avec Kai, je connais vraiment, vraiment aucun de ses coups, enfin... La dernière fois que j'ai joué avec lui, c'était vraiment sur PS2, ça devait être sur Accent Core ou quoi, et j'aimais pas trop ce perso. Il y a Barbie qui me dit que je gère l'anglais, ah ben merci. et ouais, donc Kai, en plus, j'aime pas ce perso, donc j'ai jamais été fan, j'ai jamais essayé trop ses coups, ses combos, etc. Donc on va le découvrir plus ou moins là ensemble, hein, sur cette version PS4 de Hitstorm. C'est dommage qu'il n'y ait pas le fils à Kai là qui soit jouable, celui qu'on voit derrière, il s'appelle Sin, il me semble, Sin Kisuke. Il a un design plutôt sympa, je préfère le design par exemple à Sin qu'à suite Kai. Sin, enfin, on va dire un peu moins efféminé, voilà, on va dire ça comme ça, c'est un peu plus bonhomme et avec son œil en moins, etc. C'est plutôt pas mal. Alors, il me demande s'il y a 13 persos comme dans tous les Guilty Gear. Je sais plus du tout. On va voir de toute façon là quand je vais relancer le mode arcade pour prendre Kai, tu verras la grille complète. En fait, il n'y a que 2 persos de dispo. Mais on va voir dans la grille, en fait, toutes les autres cases, elles sont floutées, enfin elles sont vides, on ne peut pas aller dessus ou voir qui y aura à ces endroits-là. Mais on pourra facilement deviner du coup combien il y a de persos, du moins de base. Après, il y aura peut-être aussi des persos cachés, etc. Mais on va voir ça tranquillement, t'inquiète. Bah déjà en plus là t'as la liste, voilà, Gabriel, Sin, Kisuke, etc. Tu vois, tout ça c'est les persos. Axus, Libraria. Après c'est peut-être pas tous des persos jouables, hein, puisqu'il y a leur doubleur à droite, c'est peut-être des persos qu'on voit vite fait dans le mode histoire, qu'on entend parler, etc. Mais en tout cas je vais te montrer ça juste après, hein, pour la liste des persos. Et puis je crois que sur internet, mais je suis pas sûr, ils avaient leaké
de la liste des persos complète. Donc il faudrait voir après, il y avait, il me semble, une capture d'écran avec toute la liste, enfin une capture d'écran directement de l'écran de sélection des persos. Donc il faudrait voir après, sinon on n'aura pas, vu que c'était un truc de la version arcade, peut-être que nous sur console on aura normalement des persos en plus, hein. Je pense qu'il faut comme dans certains Guilty Gear, il me semble qu'on avait, ou même BlazBlue, je crois qu'on avait sur certains, un ou deux persos en plus que la version actuelle arcade. Après, la version arcade était mise à jour pour inclure les nouveaux persos, etc. Mais il me semble qu'il y avait eu ça dans certains de leurs jeux. Donc après 13, bon, ça a l'air pas énorme comme ça, mais vu le taf qu'il y a derrière, comment ils ont bossé les persos, tous les coups qu'il y a, les possibilités, en plus c'est les graphismes, etc. C'est super bien fait. Je pense 13 c'est déjà bien pour un début. Il me semble que BlazBlue ça avait commencé aussi comme ça sur Next Gen, mais c'était sur PS3 à l'époque, c'était la Next Gen sur PS3 et Xbox 360. Quand ça avait commencé, il me semble qu'il y avait aussi ça, une dizaine de persos, et c'était déjà plutôt pas mal, hein, pour un début. Et c'était même énorme, hein, parce qu'il y a vraiment de la variété en fait, il y a pas vraiment de copies, etc. Donc là, s'ils font ça aussi pour celui-là, ça sera quand même pas mal, hein. Après, je t'ai dit, là, pour l'instant, 13, je sais pas. On va vraiment voir ça après l'écran des crédits, là, plus la petite scène de fin en plus. Et puis on verra ça, hein, tout simplement. Donc là, voilà, vous voyez que contrairement au jeu de base, où il y a vraiment des musiques qui collent bien avec le combat en lui-même, hein, les jeux de tape ou les décors, ils ont mis vraiment une musique de merde pour la fin. Moi, perso, je la sac pas, là, cette musique. C'est une version bêta peut-être que vous voulez dire, c'est une démo du moins de la version PS4. Alors ce qu'il y a à savoir là pour le stream, je l'ai mis en qualité moyenne parce que ma connexion en fait elle me permet pas de faire des lives sur Twitch en qualité optimale ou optimale HD depuis la PS4. Et du coup je l'ai mis en moyenne pour vraiment que ce soit un maximum fluide et pas trop pixelisé. Donc là le rendu que vous avez graphique, c'est à peine la moitié de ce qu'il y a en vrai. Parce que j'ai uploadé en plus tout à l'heure un de mes lives que j'avais fait en qualité moyenne sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et il y avait écrit que c'était en 360p sur ma chaîne YouTube. Donc là dites-vous bien que le jeu là il tourne le Twitch il tourne en 360p, mais normalement on peut. C'est de la HD, après je sais plus s'il est en 720 ou 1080, mais c'est beaucoup plus beau. Hein. Alors il y a Barbie qui nous dit sinon le stream marche très bien, il n'y a pas de live, et le délai sans doute de 5-6 minutes. Ah ben merci pour le retour. Parce que moi je ne vois pas en même temps en fait le stream, moi je l'ai mis en pause sur mon PC pour vraiment pas que ça me pompe la connexion, sinon ça risque de. Enfin ça va pas couper le live et tout faire sauter, mais ça risque de. Vous aurez peut-être un écran noir et vous entendrez que ma voix, ou alors l'image elle fera que de sauter, etc. Donc pour éviter ça en fait, si vous voulez là sur mon PC, il y a juste l'écran avec je vois vos commentaires, mais. La vidéo elle est en pause, il n'y a rien d'autre qui tourne pour éviter que ça me foute en l'air la qualité du truc. Déjà que c'est pas top, hein, en 300 fois en qualité moyenne, le rendu graphique, même si on voit que le jeu est beau, y a pas, c'est pas pareil que devant l'écran. Et donc là voilà, c'est la scène, la petite scène en plus qu'il y a à la fin. Donc je sais pas du tout qui parle et je sais pas non plus ce qu'il dit. Je comprends pas le japonais. Mais je pense que bon, de toute façon, quand il sortira après aux États-Unis, le jeu, même s'il sort, même si nous on l'aura longtemps après en Europe, ou très peu de temps après, je sais pas du tout. Au moins, avec les versions américaines, il y aura sûrement des vidéos sur le net, on pourra savoir, on pourra mieux connaître le scénario, etc. Donc là, il parle de voilà, le Guilty Gear Vocal Collection CD. Ça, en fait, c'est une édition spéciale qui sort au Japon. Il y aura un collector, il y aura aussi un collector aux États-Unis pour ceux que ça intéresse. Ok Barbie, ça gère, j'ai mis en plein écran, ça reste cool. Bah merci beaucoup pour ton retour. Donc là, on va relancer donc le mode arcade. Et cette fois-ci, on va prendre Kai. Donc je vais montrer en même temps pour la liste des persos. Voilà, donc là, il y en a deux de jouables. Alors, on va les compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, il y a Batmazmaz qui demandait s'il y en avait 13 ou 6. Bah là, déjà, tu sais qu'il y aura 16 persos de base dans le jeu.
et éventuellement des persos en mode, peut-être des persos cachés hein, qui apparaîtront en plus là, ou éventuellement des DLC, on sait qu'Arcus Frameworks ils en font quoi qu'il arrive, et peut-être même en plus de ça des persos comme ils avaient fait dans certains Guilty Gear, je me rappelle plus du nom qu'ils avaient dans Guilty Gear, mais je sais que dans BlazBlue ils avaient aussi fait ça, et c'est des persos en Unlimited, il y avait Ragna, Unlimited Ragna, etc. Et on peut aussi supposer qu'il y aura la même chose pour ça dans celui-là, donc 16 persos de base plus éventuellement des bonus avec les autres, je trouve que c'est vraiment pas mal pour un début. Donc là, on va toutes ces tenues là, taille, comme d'hab, hein, je vais pas trop, on va garder la tenue de base, il n'y a que la première, la couleur. On va garder la couleur classique, on va faire comme avec Sol, je vais vous montrer dès le premier round, hein, on va faire ça, vu que là ça va crescendo la difficulté, je préfère vous montrer dès le début tous ses couches, surtout que je ne sais pas du tout jouer avec lui, donc comme ça j'aurai le temps de vous montrer son destroy, ses furies, ses attaques spéciales, etc. Dès le début je mettrai la touche star pour aller dans les options et vous montrer vraiment tous les coups, toutes ses attaques spéciales, etc. Donc là vous voyez qu'il a lui aussi hein, son mode arcade, il a sa propre intro, etc. Donc ça c'est plutôt sympa aussi, il y a quand même une touche scénaristique dans le mode arcade. Alors, il dit 16 c'est cool, et faut voir avec les DLC, c'est bien. Ouais, donc on verra. Après moi je suis pas trop pour les DLC personnellement, enfin, ceux qui me connaissent, qui me suivent, savent que je suis pas trop pour ça, mais bon, j'espère après qu'il y aura une version, enfin, de toute façon, oui non, il y aura peut-être pas de version complète derrière, mais on sait qu'Arc System Works, comme ils l'ont fait avec les Guilty Gear et avec les BlazBlue, ils sortent d'abord un premier jeu, ensuite peut-être un an et demi ou deux ans après, ils en sortent un autre avec des ajouts, des rééquilibrages, etc. Et ainsi de suite, hein, jusqu'à la dernière version. Ce serait cool qu'ils laissent les voix Jap. Femme Cloud. Ouais, je pense qu'ils vont les laisser, il me semble que dans les BlazBlue, elles y étaient aussi, enfin, il y avait un choix, donc... entre voix japonaise, voix américaine, donc là on aura toujours le choix, hein, normalement, enfin après je ne vais pas m'avancer comme ça, hein, mais si on suit la logique qu'il y avait Arc System Works avec leur précédent jeu, il devrait y avoir le choix, donc j'espère qu'ils vont continuer comme ça, parce que personnellement j'aime bien les voix japonaises, et puis j'aime bien qu'on vous laisse le choix. Donc là, hop, on va direct dans ses attaques, donc avant K, donc c'est avant croix, et diagonale HS, c'est la diagonale avec rond, donc on va tester déjà ces deux coups là. Alors, avant croix, d'accord, donc c'est normalement croix il fait ça, avant croix c'est un petit coup en avant, ça me fait penser un peu à un coup de Ken en Street. Et le coup en diagonale avec HS, ça fait une sorte de... Ah c'est pas mal, ça fait... c'est comme si c'était un chariot, hein, ça permet peut-être de faire un aérial combo ou quoi, donc c'est une bonne possibilité avec ces petits coups. Après, quart de cercle avant triangle et quart de cercle avant rond. Donc on va tester ça, donc ça c'est sa boule, hein. Au moins un truc électrique avec son épée, et là il en envoie une beaucoup plus balèze, il est plus lent, alors je suppose qu'on peut les faire, voilà vous voyez qu'on peut les faire en attaque aérienne, après il y a tac HS, ah bah le petit mot qu'il y a là bah, c'est dans les airs hein. En général, là il vous le coup de base, et ensuite quand il y a un petit mot avant et que c'est exactement le même, c'est ou alors on peut l'enchaîner derrière une deuxième fois, ou alors on peut le faire en l'air, donc là c'est le cas, hein, on va pas le refaire. Ensuite, quart avant croix, quart arrière croix. Donc, c'est parti. Ok. Donc, un tac avec cette attaque-là. Et quand on le fait en arrière, ah ouais, il est stylé cet effet-là. Ah, il est vraiment stylé avec l'épée. Il y a un reflet avec l'épée de plusieurs couleurs, là, bleu, vert, etc. C'est vraiment sympa. Alors, Ninjago qui me dit salut, Momo, je préférerais la version de Kai avec les cheveux courts, car là, il ressemble beaucoup à Mila. Ouais, si tu me dis, il y a Mila en plus en face de moi, bah, c'est vrai qu'il bon, est blond comme elle, bah, je veux rien avec ça, mais moi je préfère qu'il soit, je le trouve un peu trop efféminé en fait, perso, ouais, même moi j'aurais préféré avec les cheveux courts et ça, mais bon, enfin, c'est pas très grave, là on va le jouer comme ça. Après, donc là, un chariot avec triangle ou rond, et on peut le faire aussi en l'air, vous voyez que là le mot qu'il y a après, c'est exactement le mot qu'il y a avant la semaine, donc on va essayer ça, hein. Donc, le chariot avec... Je vais essayer de lui placer quand même. Avec rond et là avec triangle. Et on peut le faire en l'air. Donc c'est plutôt sympa. Je vais essayer de lui mettre en aérial. Ouais, donc voilà, en l'air, on peut le faire tout simplement. Après, là, quart de cercle D. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc D. Je vais aller voir là. Qu'est-ce que c'est que DCR1, voilà, donc on va essayer, j'espère que ça va pas me bouffer trop de barres.
sur le barbecue, on commence à même pas du tout plus, je ensuite, on pourrait être caravandé. Ah ouais, c'est un coup de pistolet du direct, putain. Oh le vol. Oh le coup voleur. Attends, je vous remets, hein. Il prend pas de jauge de tension. C'est un coup de suspense. Je vais essayer de le mettre en combo pour voir si on peut encore plus faire l'escroc avec ça. Alors oui, est-ce que je joue au pad? Oui, je joue au pad, donc à la manette classique PS4. Hein. J'espère le retour de Shizanuk et Ninja. Bah il y est justement, Ninjado, il y est. Hein. Je l'ai affronté une fois tout à l'heure avec Sol en mode arcade. Il y est, il est super classe. Hein. Bah, moi j'aimais beaucoup dans les anciens Guilty Gear. T'inquiète, il est toujours là, il est super classe. Donc ouais, je disais, ouais, par rapport au pad, ouais, je joue à la manette classique, hein, la manette PS4 classique, et ça va, c'est mes coups, franchement. Bah tiens, il y a Sheep, voilà, bah, spécial dédicace à toi, Ninjado, il y a ton perso. Donc ouais, je joue à la manette classique, je suis pas trop joueur de... Bon, enfin, j'ai pas d'arcade stick de toute façon, là, sur PS4, je sais même pas s'il y en a pour le moment, mais même en général, je suis pas trop joueur d'arcade stick. Mais sur PS3, je joue un peu avec, mais j'ai vraiment pas le niveau, en fait, pour jouer à l'arcade stick, et c'est... Il y a un investissement derrière, faut vraiment s'entraîner comme un malade. Ah ouais, on peut donc le faire en... Oh là, le truc de voleur, putain. Alors attendez, je vous remets ça. Là, il est pas stunt, shift. Je vais... Et là, je peux reprendre. Forcément, ça a pas enchaîné, c'est revenu à zéro en haut à gauche, les bits là, le combo. Peut-être que j'ai pas été assez rapide, mais je pense que si je fais une souris directement derrière, je peux l'avoir pendant qu'il est stunt. Une fois le jeu chargé, tu peux jouer sur son compte FR. Oui. Alors, le truc, c'est que une fois que tu as téléchargé le jeu, une fois que tu as lancé le téléchargement du jeu avec ton compte japonais, tu peux même, avant que le téléchargement finisse, tu peux quitter ton compte japonais. Enfin, tu le déconnectes pas, juste tu changes de compte, tu vas sur ton compte FR, et tu pourras très bien y jouer. Par contre, attention, il faut que ton compte japonais, quand tu l'actives pour le PS Plus, faut qu'il soit en compte principal. De toute façon, quand tu créeras le compte japonais, ils te demanderont est-ce que tu veux qu'il soit en compte principal. Alors c'est important, pourquoi? Quand tu mets un compte principal dans ta console, tout ce qui est lié à ce compte peut être utilisé sur les autres comptes. Donc si ton compte secondaire, il passera en secondaire, mais c'est pas très grave vu que tu pourras toujours accéder à tout ton contenu sur ce compte-là. Et ton compte japonais deviendra principal, et donc tout ce qu'il y a dans ton compte japonais pourra être joué par les autres comptes. Donc c'est là que c'est super con de leur part d'avoir fait ça, parce qu'en fait tu bénéficies de 14 jours gratuitement. Là je fais sa furie en fait qui avait en premier, là que j'ai raté d'ailleurs. C'est super con de leur part là à Sony, parce que en faisant cette erreur là, t'as juste à chaque fois à créer des nouveaux comptes et à te mettre les 14 jours gratuits de PS Plus et à les mettre en principaux. Et donc t'auras, bah, par exemple moi là j'ai 14 jours gratuits de PS Plus Jap. Quand ça finit, je crée un nouveau compte japonais, j'aurai encore 14 jours de gratuit. Par contre, t'as pas accès à tes anciens jeux, si ça change, vu que les anciens jeux que tu auras téléchargés avec ton compte PS Plus Jap, ils seront affiliés à ton ancien compte PS Plus Jap, enfin celui où tu as eu les 14 jours en premier, et ainsi de suite. En fait, ça te fait comme si tu avais cette petite flèche 80, c'est comme si tu avais un peu des jeux jetables, hein, mais gratuitement. C'est des jeux que tu as tous les 14 jours et que tu peux changer comme ça indéfiniment. Et ce qui est super malin, et ça c'est magnifique, c'est que vu que sur PS4, le PS Plus il est payant, tu peux jouer gratuitement en PS Plus grâce à ça. Parce que tu prends ton compte japonais ou même un nouveau compte français, américain, ce que tu veux. Tu passes 14 jours gratuitement en PS Plus. Ensuite, il reste en compte principal. Donc quand tu as un compte PS Plus principal sur ta console, tous tes jeux pro peuvent jouer en ligne. Donc c'est super cool de la part de Sony d'avoir fait ça, parce que là moi par exemple, j'ai pas sur mon compte principal français, j'ai pas de compte PS Plus, mais je peux bénéficier du mode online sur PS4 grâce à ça. Parce que j'ai les 14 jours gratuits sur le compte japonais là. Puis quand le compte japonais finira là, je pense que j'irai sur un compte je vais créer un compte français, parce qu'en ce moment il y a Dust sur PS4 qui est offert, enfin qui est pour les PS Plus là du moment, et il est vraiment énorme. J'ai testé vite fait, c'est vraiment une tuerie le jeu, j'ai beaucoup aimé. Et ah bah c'est cool, merci pour tes explications, le coquin, etc. Bah merci à vous les gars, bah écoutez, si ça a pu vous faire profiter du PS Plus gratuitement, n'hésitez pas à en profiter, hein. Je vous ai dit, vous avez juste à vous créer à chaque fois avec une nouvelle adresse mail, un nouveau compte, et vous avez 14 jours gratuits comme ça, et vous pourrez jouer que ce soit sur PS3, PS4 ou sur PS Vita à tout le contenu PS Plus du mois. Il y a Odozo qui me dit GG chanceux. Ah ben merci à toi. Alors on va essayer sa deuxième. Il me semble qu'il en est. Voilà, il y en a une deuxième, donc deux fois caravan P. Donc P, il me semble que c'est carré. Je vais devoir avant, voilà.
faut augmenter ma jauge de tension. Il faut juste qu'elle soit à moitié hein, pour pouvoir faire les super. Ah merde, j'aurais peut-être dû la faire à distance celle-là parce que j'ai l'impression que je pouvais le taper de super loin. Donc je vais la réessayer vite fait au prochain round là, ce super là, et après on va passer au destroy parce que depuis tout à l'heure je ne l'ai pas montré une seule fois. Je suis avec Kai du moins. Et oui, donc par rapport à l'info là, j'en profite pour ce que je vous disais pour le PS Plus, c'est valable avec tous les PSN. Alors Barbie qui nous dit, je dois y aller, en tout cas ça gère, à la prochaine. Bah, merci à toi Barbie et bah, bonne soirée à toi et à la prochaine. Donc quoi, ouais, je vous disais, c'est valable avec tous les PSN. Donc il y en a, moi il y a quelqu'un qui m'avait dit ça sur le net, il a fait ça pour tout PSN enfin européen, PSN japonais, PSN américain et même PSN HK, le PSN hongkongais pour avoir d'autres jeux. Alors Grimuf qui me demande, est-ce que c'est sur PS3? Non, it's on PS4 system. Je sais pas si c'est français, si tu parles français ou anglais, enfin je le dis en anglais au cas où, mais c'est une démo exclusive à la PS4, malheureusement, hein, genre, ça aurait été plus cool je pense qu'ils la fassent en multi, et à la fois sur PS3 et à la fois sur PS4, pour que bah, ça touche beaucoup plus de monde, hein, parce que les PS3 elles sont beaucoup plus nombreuses là sur le marché que les PS4. Alors, il y a un écho, t'as un écho, DV me dit qu'il y a un écho, bah j'ai baissé un peu le son de la télé, peut-être que j'étais un peu trop proche. Bah là n'hésite pas à me dire hein, s'il n'y a plus du tout d'écho. J'ai un peu diminué le son. Heaven or hell. Duel. One. Let's rock. Donc là, on va faire la super de tout à l'heure. Ah ouais, vous voyez que c'est une attaque à distance. Ah, il m'a eu. Donc là, maintenant, je vais essayer de blinder la jauge de tension et de lui mettre un destroy. Je vais aussi vous montrer son... Il a un coup, normalement. C'est L1, non? Merde, j'ai fait le burst. Il l'a pas dit le... Ah si, voilà. Le coup pour envoyer en l'air en fait et faire des aériales, il l'a mis. Ah vous voyez que là le burst, ah, bah tiens, ça c'est bien de le... Heureusement j'ai pas fait exprès de faire un burst tout à l'heure, et heureusement que j'ai fait gaffe là à la jauge. En fait elle remonte, donc vous avez un burst, et avec le temps ça remonte, mais bon vous voyez que ça monte très lentement, donc c'est assez particulier, vaut mieux que... Au lieu d'utiliser vraiment au bon moment, donc lui pour son destroy, c'est exactement la même manip que pour Sol, deux fois quart avant rond, donc HS. Bah écoutez, on fait les quatre touches, voilà, pour se mettre en mode destroy, et c'est parti. Voilà, donc je vous laisse l'animation, je vais lire les commentaires en attendant. Pour le jeu aussi, il y a le coup deux fois. Destroy. C'est bizarre au début parce que j'ai pas du tout de... Y'a rien qui tourne en fait là à côté. J'ai vraiment diminué le son à mort encore là de ma télé, mais je me suis carrément éloigné, j'ai baissé le son et ça, et je sais pas du tout, peut-être un bug avec la connexion ou autre. En tout cas, dites-moi les autres aussi si vous avez ce problème là. En tout cas, je suis désolé si y a ce problème là. Bon bah là on va finir, je suis au stage 5, ouais, bon, ça va jusqu'à 8, on va en faire les derniers combats là qui restent et après on s'arrêtera là. Et je vous ai dit, il y a aussi un mode didacticiel avec 50 leçons. Ouais, t'as vu, il est flippant, ouais. ODV qui nous dit magnifique ce destroy. Il est vraiment flippant. Hein. Bon personnellement je préfère celui de Kai, mais il est quand même énorme. Hein. De toute façon l'animation dedans, même quand on n'aime pas un perso, par exemple moi j'aime pas Kai, il y a quand même un boulot derrière. Au niveau de l'animation, etc., c'est vraiment énorme. J'ai que des problèmes avec le son en ce moment, MDR. C'est vrai qu'il y avait le casque aussi, ouais, quand on jouait l'autre fois au DV, ouais. Alors par contre, s'il y a un écho, si jamais vous entendez un écho au tout début du combat, avec la voix qui dit « Even or Hell, let's go »,
Ça, c'est normal, par contre, c'est parce qu'en fait, dans ma manette, enfin, la manette PS4, il y a le son sort aussi de la manette à ce moment-là. Et c'est le seul moment où le son sort, hein. C'est que quand il y a la voix, là, le narrateur qui dit Vanor Hell, etc. Mais sinon, tout le reste, le combat, les bruits, etc., il n'y a vraiment aucun. Tiens, bon, on va le mettre une deuxième fois, là, spécialement pour toi. Et ouais, non, pour en revenir à tout à l'heure quand vous parlez de la manette, ouais, je disais que les coups ça sortait vraiment facilement. Après je joue avec la croix directionnelle, par contre la manette je joue pas avec le joystick. Faudrait que je vérifie d'ailleurs si on peut jouer avec. Mais parce que je suis pas du tout joystick en fait, hein, pour les manettes, enfin pour les jeux de combat comme ça, c'est. Pour les joysticks j'aime les utiliser uniquement quand c'est pour des jeux de course ou des shoot 'em up, etc. Mais sinon pour tout ce qui est versus fighting c'est vraiment à la croix quoi, au pad. Potemkin. Ah bah tiens voilà, spécial dédicace à toi au DV et à ton perso. Il y a vraiment une dynamique énorme. Dans celui-là, ils ont carrément changé, on voit plus du tout son visage, etc. Mais c'est fait vraiment flipper comme ça, Potemkin. On sent que. En plus, il a des coups, il est on va dire en mode armor où il peut. Il peut en fait encaisser un de vos coups. Vous voyez que là, par exemple, avec ce coup-là. Qui me dit ouais, comment il a la classe Potemkin. Ah ouais, il est énorme. Même moi, j'aime beaucoup son nouveau design. Bah, il me fait un peu penser à un perso d'un autre jeu Dark System Wars, mais vite fait au niveau du côté bourrin avec un casque, etc. C'est dans Battle Fantasia, il me semble qu'il y avait un perso qui ressemblait un peu à ça. Enfin, je crois que c'était Battle Fantasia le jeu. C'était un jeu de combat qui était sorti sur arcade, PS3 et Xbox. Et c'était marrant, ça faisait un peu RPG, enfin, il y avait la barre de vie, c'était des HP avec un nombre, etc. C'était plutôt marrant. Et il y avait un gros bourrin qui ressemblait avec un casque comme ça. Il me semble que c'était dans ce jeu-là, un perso qui me faisait penser à ça. Là, il m'a mis bien là en quelques coups. Ah merde. Putain, quel con là. Une technique de lâche hein, quand on n'a plus de vie et que on met contre ce gros bourrin de Potem. Ah ouais non, je peux pas trop rester. Ok. J'allais rester à distance en fait et lui faire que des boules, mais vu qu'il a une attaque au sol qui tape de loin, vaut mieux pas. Ouais, dommage que l'ordi soit aussi mauvais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi là. ODV, l'IA, elle est vraiment pétée dans ce mode arcade. Enfin, avec la difficulté qu'ils ont mis là, elle est vraiment très très faible pour tout ce qui est des 7 combats. Par contre, le 8ème, le boss, des fois, elle se lâche et elle fait vraiment mal. Moi, tout à l'heure, elle m'a massacré. J'ai rien compris. En plus, quand elle tape, elle enlève énormément de vie. Hein. C'est Fury, si jamais il y en a une qui est très facilement esquivable, elle fait super mal si elle te touche. L'autre, elle vient instantanément, c'est chaud à esquiver, mais elle t'enlève beaucoup moins de vie. Donc du coup, ouais, et j'ai jamais vu faire son destroy. D'ailleurs, si jamais là, je la vois préparer un destroy, t'inquiète pas que je le laisserai pour voir à quoi il ressemble, parce que ça m'étonnerait. Hein. Franchement, elle fait mal, elle est agressive, mais l'IA, là pour le moment, je pense que ça doit être du mode facile. Ou même peut-être même très facile. Mais bon, enfin après je pense que le jeu lui proposera ses difficultés extrêmes, etc. Hein, comme dans tous les autres jeux Arc System Works. Et puis c'est vraiment dommage qu'on puisse pas jouer à deux. Moi j'aurais vraiment aimé là qu'on puisse faire du versus à deux. Pas spécialement online, hein. Je vais pas non plus demander l'impossible et demander du online sur une démo comme ça, mais au moins à deux sur la même console, ça aurait vraiment été énorme. J'aurais eu un pote qui serait passé là et on aurait pu vraiment tout vous montrer du versus à niveau égal, etc. Parce que nous, on leur dit, il n'y a vraiment pas grand chose.
Il n'y a vraiment rien, quoi. Il n'y a pas vraiment de challenge. Alors ensuite, t'as dit, il est magnifique son destroy du pur DBZ. Ah non, c'est vrai qu'il est super classe. Le coup de lame qu'il place là avec son sa putain d'épée électrique là, c'est vraiment énorme. Ah, tu parles de celui du boss, ah, d'accord, non celui du boss, ah, ok. Bah, faudrait que je le voie, j'irai voir au pire sur YouTube directement son destroy, parce que là, je pense pas qu'elle essaiera de me le faire. Si jamais je vois qu'elle le fait, je le laisse pas, hein, parce que je vais le voir aussi, mais. Ouais, pas mal là, tu vois là, c'est pas ça en combo, c'est plutôt sympa ça pour un petit début de combo. Je vais essayer de montrer aussi les cancels là, je vais réessayer avec Kai, avec Sol, j'en avais fait avec la touche L1 là, en plus ça consomme un peu de jauge de tension. Et ça permet de faire d'assez gros combos. Moi avec Sol j'avais pas le niveau, moi avec Kai aussi là je l'aurais pas, mais on va essayer quand même de. Voilà, bon bah ça va être parti là. Voilà, bon bah là j'ai fait le con, hein, mais j'ai réussi du moins à vous montrer qu'on peut faire des cancels avec tout le monde. Hein. Ouais, on va le finir avec une super. Voilà, comme tout à l'heure, attaque à distance, c'est vraiment sympa ça, le fait qu'il ait une super à distance comme ça. Alors, Kyosuke Date qui dit avec Kai Kisuke, est-ce que tu sens une différence par rapport au précédent Guilty niveau gameplay? Bah, personnellement, Kyosuke Date, j'ai joué quasiment jamais Kai dans les anciens. Après, de ce que je peux en voir là, oui, ça a l'air d'être quand même différent. Mais vu que je ne jouais pas avant, c'est vraiment un perso que j'aime pas, moi, celui-là. Donc, je sais pas du tout en fait. Par contre, avec Sol, je jouais pas mal Sol avant, et là, ouais, on sent que. Ça a changé, il a son mode dragon où là carrément ça change tout quand on le met comme ça, etc. Il y a même au niveau des coups quelques petites nouveautés, etc. Et ouais, non, ça change un peu pour lui. Après, pour Kai, comme déjà qu'à la base je suis pas spécialement bon dans les multi-gears, quel que soit le perso, tu vois, je connais pas spécialement leurs gros combos, etc. Je peux pas trop te guider, mais alors pour Kai encore moins. Donc au pire, faudrait voir un peu sur le net. Je pense que tu devrais essayer de comparer peut-être une vidéo de combo avec Kai. Dans Accent Core, qui était le dernier multi-gear, enfin le Accent Core Plus même, avec une vidéo de combo avec le Kai de celui-là pour voir vraiment les différences. Mais après, moi je t'ai dit, ouais, personnellement, je saurais pas trop t'aiguiller là-dessus. Après, ODV qui me dit, tu as un quart arrière slash qui s'enchaîne. Un quart arrière slash? Je pense pas l'avoir vu dans la liste des coups, c'est peut-être le quart avant, non? Kyosuke qui nous dit ouais thanks, ok bah de rien, merci à toi. Voilà, on va aller se faire le boss de fin, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas le jouer. Sim est vraiment classe avec son arme là, ou même la boss de fin. Bon après là je sais que je rêve, hein. Je dis que dans une démo j'aurais aimé jouer ces persos là. Oui c'est le fils, Sim, c'est Sim Kyosuke, ouais c'est lui, j'aimerais bien le jouer. Bah même moi, hein. Bah, quand il sera dans le jeu, du coup, enfin, quand on aura le jeu, de toute façon il sera jouable. Voilà, là j'ai intérêt à me barrer, sinon je vais d'ailleurs faire la garde parfaite. Ah bah voilà, vous voyez que ça m'a bouffé toute ma barre. Et en plus de ça, elle m'a grimpé dessus. Et voilà, et là tu me touches, elle m'a fait super mal. Alors, Omni Slayer, c'est une SPC, la French Toast.
Ok, bon, bah, je pense qu'il parle espagnol, lui. Déjà, c'est grave craqué. Tu vois, un double saut, ouais. Oh, oui, il y a le double saut, hein. Et ouais, le boss est craqué. Alors, oui, je pense, oui et non, en fait, elle fait super mal avec... elle fait super mal, voilà, avec ce Fury-là, par exemple. Mais sinon, le reste, c'est faisable. Hein. Là, c'est vraiment parce que... moi, j'ai un niveau de merde aussi, hein, faut le dire. Je débute, voilà, là, par contre, elle m'a piégé. Voilà, c'est juste contre toi pour pas que je puisse aller dans son dos. Et là, il n'y a vraiment plus de possibilités. Hein, voilà. C'est la mort assurée. Il faut qu'on a beaucoup de barres pour bloquer. Et voilà, en plus, ça m'a contraint. Bon, bah, là, il m'a éclaté un double carnage, là, les deux rounds. Mais ouais, après, oui, elle est craquée. Je pense que c'est surtout parce que là, je sais pas jouer. Hein, mais après, un peu d'entraînement, on apprend quelques combos et ça sur le jeu complet, hein, pas sur la démo. Je pense qu'on la défonce après, même en mode hardcore, hein, c'est pas compliqué. Je sais que les autres multi-gear ou même Blaze Blue, ça m'avait pas spécialement posé problème. J'avais dosé même les modes score attaque, etc. C'était chaud, c'est sûr que les derniers combats étaient plus durs, etc. Mais quand on connaît bien son personnage, on a les bons combos, etc. La bonne façon de jouer, je pense que c'est faisable après avec n'importe qui. Hein. Après oui, si c'est par contre un perso qui sait, enfin un joueur qui sait la jouer, là ouais, peut-être qu'elle sera craquée si tu donnes la manette à un pro et qu'il joue ce perso-là, je pense qu'il peut, oui, elle sera peut-être top tier, elle sera peut-être parmi les plus forts. Comme c'était le cas par exemple, personnellement je pensais pour le boss de Blaze Blue, pardon, de New, c'était vraiment moi le boss, elle était super classe et elle faisait mal, hein. C'était vraiment un perso très très dur à jouer, quand je tombais sur des persos qui la jouaient bien moi online, je me faisais défoncer. Les French fries. Je comprends pas du tout ce qu'il veut dire, mais bon, enfin bref, c'est pas très grave. Il parle pas, en fait, le French toast et les frites françaises et les toasts français, d'accord. Ça va être quoi le prochain truc? Le kebab, le French kebab. Bon, allez, deuxième essai, j'espère qu'on va l'avoir cette fois. J'ai même essayé de lui mettre un destroy qui est en train de manger de ce qu'elle m'a mis juste avant. J'essaye en fait de trouver un film en même temps, mais je pense pas que ça c'était le bon combat là, parce que je fais tout ça, mais vous voyez que là, quand on fait le saut avec le dash, en retombant, on peut donner une attaque et j'essaie de trouver en fait un coup qui me permettra d'enchaîner après avec après cette attaque-là, en fait, d'enchaîner au sol. Pour venir en fait d'un combo, enfin d'une attaque aérienne vers un combo au sol. Ah, donc là ça va, je l'ai. Quoi que j'allais vous dire, je l'ai éclaté, mais elle m'a quand même mangé plus de la moitié de ma vie alors qu'elle m'a pas. Elle n'a pas tapé tant que ça, hein. Elle fait vraiment mal en fait ce boss. Je pense qu'elle est bonne pour des spoils là. Merde. Ah bah voilà, le compte c'est triangle rond en même temps. Mais par contre, je pourrais pas lui placer en arrêt. Mais... allez, j'espère que je la touche. Oui, je l'ai eu. Tu lui as mis la misère, qu'est-ce que tu dis? Ah bah merci, ouais, bah après ce qu'elle m'a mis, plus qu'elle m'a mis avant, on va dire qu'on est à égalité, voilà. Elle m'a explosé deux fois avant, là j'ai réussi à l'éclater. Et donc voilà, bah, je pense que je vais arrêter le live là, les gars. J'ai fait un mode arcade avec Sol, un mode arcade avec Kai. Au cas où vous avez raté le début, je vais vous balancer sur le Twitch directement un lien vers ma chaîne YouTube. Et je posterai en fait la rediffusion de ce live là. Et bah écoutez, là je vais arrêter, je vais pas vous montrer une deuxième fois l'écran de crédit, etc. Ce sera la même chose. Mais la vidéo elle sera disponible donc sur ma chaîne YouTube normalement dans la soirée. Donc après tout dépend du temps que Twitch va mettre à transférer ça sur le serveur YouTube. Mais voilà, là j'ai posté le lien. Et donc vous aurez la rediff ici. Alors il y a Artyom qui dit mais tu peux pas placer tranquillement le destroy quand elle fait son laser. Peut-être si elle prépare le laser et que je fonce sur elle au corps à corps, peut-être que je peux lui mettre. Mais après je sais pas du tout si ça va marcher.
parce que en fait quand tu la tapes pendant qu'elle prépare son laser, elle est en mode, on va dire en mode armor, elle bouge pas du tout. Donc je sais pas si le destroy va prendre. Mais après oui, s'il prend là, c'est super simple, hein, dès qu'il a commis l'erreur de préparer son laser, tu lui places direct. Mais le truc con, c'est qu'on puisse pas les mettre en combo les destroy, c'est ça qui est vraiment dommage. Par exemple dans Okuto no Ken, c'était Arc System Wars qui l'avait fait aussi, on pouvait les placer avec tout, presque tous les persos du jeu en combo sans aucun problème. Et ça faisait tout le charme du jeu, parce qu'on pouvait, on pouvait terminer en beauté notre adversaire après un gros combo comme ça. Alors que là, dans Blaze Blue, Guilty Gear, et ben même là maintenant dans Guilty Gear Xrd, j'ai pas l'impression qu'on puisse le faire. Par exemple là, juste avant que je lui place le Destroy à Vulcan, j'avais essayé de faire petit coup, moyen coup, grand, enfin point, slash, high slash, donc carré, triangle, rond, et essayer d'enchaîner le double carré avant rond pour faire le Destroy. C'est pas passé, j'ai mis un coup dans le vide après, je sais pas si vous avez fait gaffe. Et du coup, je pense pas qu'on puisse le faire. Ou alors, faut peut-être d'abord stun son adversaire, etc. Mais... alors, sinon, on sait pourquoi il n'y a pas Baiken et Andimito. Ah, je sais pas du tout ce qui est daté, et franchement, ça me fout le boule aussi, parce que Baiken, je l'aimais beaucoup, et c'était un perso que je voulais jouer dans celui-là. Quand j'avais vu les premières vidéos, je pavais, je me disais, putain, Baiken, elle va être magnifique dans ce jeu. Et ces enfoirés de Dark System Works, ils l'ont pas mis, donc ça m'a foutu les boules. Mais bah, on va se rabattre sur d'autres persos. Il n'y a pas non plus Jam, si je dis pas de bêtises, faudrait info à vérifier quand même, mais je voulais aussi jouer Jam. Elle n'y est peut-être pas. Faudrait vérifier quand même, mais bah écoutez, c'est tout, hein. J'ai mis le lien vers la chaîne YouTube au cas où vous voulez voir la rediff. Donc écoutez, bah merci à vous d'avoir suivi le live. J'en referai sûrement d'autres dans la semaine. Je mettrai ça sur mon blog sûrement. Alors attendez, je vais vous mettre un lien vers le blog. Je préviendrai, je mettrai un article live Twitch Guilty Gear tel jour à telle heure, etc. Ça sera ici, donc sur le blog. Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil de temps en temps, et j'essaierai d'en refaire demain si je peux, j'ai le temps, en journée ou en soirée comme aujourd'hui vers 22h. Parce que la démo, en plus de ça, elle a une durée limitée, elle est valable jusqu'à, je sais plus, peut-être fin octobre ou je sais plus, début novembre, enfin je sais plus du tout c'est quoi la date, mais c'est une démo à durée déterminée, donc je vais pas pouvoir la squatter très longtemps, donc je vais essayer d'en profiter pour faire un maximum de parties et bah, de les partager avec vous, avec des lives, etc. Et puis en même temps, on verra peut-être si j'ai progressé d'ici là en allant voir un peu quelques vidéos de combo. J'essaierai de vous les reproduire directement sur la démo. Après, je vous dis d'avance, je pourrais pas faire les gros combos qu'il y a sur le net. Mais je pourrais déjà avoir quelques bonnes bases et faire des petits trucs sympas. Alors, il y a Kioske Daté qui me dit « Ok, thanks pour ton live. C'était super de voir un peu de gameplay et d'avoir ton avis dessus. » Ben, merci à toi encore. Merci à tout le monde. Ben, écoutez, passez à tous une bonne soirée et à la prochaine. Salut !